Bonjour. Ben dis donc. Je continue avec les signes des astros. J'ai un problème de toujours de luminosité, ça bug, mais vous m'entendez, vous me voyez, c'est le principal. Je viens de finir avec les cancers et je pars sur un autre signe. Les capricornes. Bonjour les capricornes. Voici votre mini guidance sur votre lien d'âme. Un lien d'âme, c'est une âme jumelle, une âme sœur, une flamme jumelle, quelqu'un qui est venu dans votre vie, comme si vous aviez toujours la sensation de l'avoir rencontré. Un déjà vu. Oui, parce que dans d'autres vies, vos âmes étaient déjà ensemble. Là, on s'en souvient, on se reconnecte, et il y a comme quelque chose d'évident entre vous. Qu'est-ce qu'on a envie de me dire pour vous, les Capricornes, concernant votre lien d'âme? J'espère que vous allez bien. Ne prenez que ce qui vous parle. Ce sont des guidances pour tout le monde. Ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc, voilà, ça vous parle. Vous restez connecté. Ça ne vous parle pas. Vous passez. C'est parti pour vous, les Capricornes. Concernant votre lien d'âme, quelque chose qui vous met en échec, où vous avez échoué, où vous avez la sensation d'être dans l'échec. Regardez cette posture. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur ce lien d'âme, s'il vous plaît, pour les Capricornes? Une seule carte pour les Capricornes. Qu'est-ce qu'on nous dit concernant le lien d'âme qu'ils ont avec quelqu'un? Ah, bon. On a un homme. Un homme qui a réussi, ou qui vous teste, ou un examen, ça peut être un test. Quelque chose qui devait traverser, quelque chose qui devait passer, ou que vous, avec cet homme qui est parti, ou qui se déplace, ou qui est en voyage, ou qui a besoin de prendre de la hauteur, regardez avec ce télescope dans la montgolfière, pour plus de légèreté, plus de hauteur, pour observer la situation sous un nouvel angle. Donc, dans votre lien d'âme, les Capricornes, si vous êtes une femme, ça peut parler d'un homme qui est entré dans votre vie. Ça peut parler aussi d'une femme, pour qui ça parlera, et avec une forte énergie yang, c'est les deux. De quoi nous parle ce voyage? Je prends le Nine of Love. Je vais aller en chercher plus. On a l'échec, on a un déplacement et un homme au milieu. De quoi nous parle ce voyage? Une attraction, quelque chose qui nous a attirés, qui nous a obligés à y aller, peut-être. C'est vibratoire, c'est plus fort que nous. On va voir si on a autre chose pour ce voyage, s'il vous plaît. Ok. Ok. Les Capricornes, vous êtes pas deux dans l'histoire, vous êtes trois. On parle de sentimental là. On est dans une relation triangulaire. Un adultère, une tromperie. Il y a une blessure de trahison. Ouais. Alors, l'échec, ça peut être du coup avec la blessure de trahison, la peur de vous tromper dans une relation. Un homme que vous avez rencontré lors d'un voyage ou un homme avec qui vous avez envie de partir, de vous installer, de rejoindre, ou cet homme qui vous dit qu'il va réussir à venir vous rejoindre. Ouais, il y a une forte attraction entre vous, mais vous n'êtes pas seul. De quoi nous parle cette triangulaire? Je vais prendre le lifestyle. Vous voyez, comme une carte échec, ça part tout simplement et on arrive à quoi? Une posture d'attente. La sensation de se faire avoir, de se tromper, de se faire arnaquer. On est coincé un peu, vous voyez? Comme cette femme là sur son échiquier, regardez. Je suis figée sur place en fait. Avec les épaules en dedans, un peu.
Abattu, oui. Les Capricornes, de quoi nous parle cette triangulaire? Qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette triangulaire, s'il vous plaît? Pour les Capricornes. Une hésitation entre deux, un choix à faire, pas de fidélité, polygame, cœur à prendre. Là, on est vraiment dans la trahison, hein? Quelqu'un qui est avec deux personnes à la fois, ça peut être vous, ça peut être l'autre. C'est drôle parce qu'on a le 21 avril. Je l'ai vu comme ça. 21 avril. Peut-être que ça va vous parler. Ça va trancher, les gars. Regardez. Bim! On pose le marteau. Jugement. On décide. On tranche. Ça va être ferme. Si c'est vous, c'est OK. Si c'est l'autre. C'est ok, mais il y en aura un des deux qui va trancher là. Séparation et rupture. Voilà. Il y a des conflits. Il va y avoir des disputes. Si vous êtes en couple et que vous êtes éprise ou épris de quelqu'un d'autre qui n'est pas avec vous, vous allez peut-être être poussé à faire un choix. Ou c'est l'autre. Ou alors, si c'est vraiment très pesant pour vous, c'est de vous choisir, d'arrêter cette triangulaire, d'arrêter d'attendre, d'arrêter d'être cette troisième roue du carrosse et reprendre le cours de votre vie avec ce qui est bon et juste pour vous. Vous le méritez. Bon, ça va être un peu chaud pour vous là. Qu'est-ce qui va se passer avec ce lien d'âme? Donc on est plutôt dans un lien amoureux, une âme sœur, une âme jumelle, une flamme jumelle, un homme ou une énergie yang forte, avec une blessure de trahison, une hésitation, un choix à faire. Qu'est-ce qui va se passer dans ce lien pour vous, les Capricornes? On a la troisième partie, regardez, il y a trois coupes. Enfin, il y a deux coupes et un verre au milieu. Trois. Ça fait des interférences. Ouais, une énergie tierce qui vient faire des interférences ou la troisième personne qui vient se battre pour récupérer son dû. Qu'est-ce qui va se passer pour vous? C'est drôle, vraiment, là, ça peut pas être plus clair, hein. Purée, quel tirage, les Capricornes. Qu'est-ce qui va se passer pour les Capricornes? Oh, vous en serez toujours au même point, regardez, on vous dit situation non résolue. Mais ouais, on a toujours cette attirance, ce désir, cette attraction. L'impression de se faire avoir, toujours, avec ces allers-retours. Oui, on aime l'autre personne, donc le lien sexuel, la relation sexuelle, on l'accueille. Et puis ça ne résout toujours pas le problème, en fait. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut choisir. Qu'est-ce que tu fais? Tu me choisis? Tu restes avec ta femme? Tu restes avec ton mari? Qu'est-ce qu'on fait? Voilà pour vous. Quel conseil? Vous allez avoir besoin d'un conseil, ça va être. Là, c'est déjà en cours, hein, donc ça se trouve, vous êtes déjà dedans ou ça va arriver. Je ne sais pas comment vous lui parler, les cartes. Qu'est-ce qu'on vous conseille pour vous, les Capricornes? Ah! On vous conseille de travailler sur votre jalousie, de faire attention à vos pensées, à vos mots, à tout ce qui part par rapport à cette jalousie que vous pouvez avoir ou peut-être que quelqu'un vous envoie tout ça autour de vous. Nettoyez-vous, faites des nettoyages énergétiques. Quand vous avez des mauvaises pensées, des idées qui arrivent comme ça, même sur les autres, allez prendre une douche et laissez partir tout ça dans la douche. Voilà. Ok. Superbe votre tirage, les Capricornes. Bon courage. Et si vous avez besoin d'échanger, de commenter, de liker, de vous abonner, faites-le, ça me fera plaisir. Bonne journée.